Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. À la une ce soir, le retour des États-Unis en première ligne. Joe Biden en visite aujourd'hui auprès de ses troupes en Pologne. Ce sont désormais 100 000 soldats américains qui sont présents sur le sol européen. Au même moment, que faut-il penser de ce message du jour? Le ministère russe de la Défense affirme que ses forces vont désormais se concentrer sur l'est de l'Ukraine. Est-ce un vrai tournant? Décryptage avec nos envoyés spéciaux à Moscou et à Kiev. Un document ce soir, notre équipe a pu se rendre sur le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. Une première depuis le début du conflit ukrainien. Où en est-il actuellement? Quel est le dispositif de surveillance qui l'accompagne? Reportage dans un instant. Face à la nouvelle hausse des cas de Covid en France, le masque est-il en train de faire son grand retour? Un week-end de printemps et nous partirons en randonnée sur les Monts d'Arrée, parc naturel du Finistère et lieu de légende. Et puis il est devenu bien plus qu'un footballeur qui rêve encore d'une dernière participation à la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, businessman, 500 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, entre ce soir dans notre série culte du vendredi. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est l'une des images fortes du jour, celle de la visite de Joe Biden, que l'on disait en retrait depuis